Salut, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir ma boutique. Il y a des tas d'objets à l'effigie de mes vidéos, du roleplay prison, du roleplay école, des vidéos avec mon fils et plein d'autres choses. Donc tu trouveras des t-shirts, des mugs, des sacs, des stickers et plein d'autres choses. Donc le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller acheter des produits et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Et bonjour tout le monde, Soximos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'arrête. Et aujourd'hui les amis, si ma barre de nourriture descend au minimum, donc à partir du moment où je prends des dégâts, la vidéo s'arrête net au premier dégât que je prends ou dès que j'ai plus du tout de nourriture. Bref, j'espère que ça va vous plaire, comme d'habitude pensez à mettre un gros pouce bleu et évidemment abonnez-vous si c'est pas encore fait, je sors des vidéos tous les jours. Donc allez-y, on tente les 100 000 abonnés, on tente les 5 000 pouces bleus. Et même si vous voulez me faire plaisir, allez me suivre sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi ma boutique de t-shirts, il n'y a pas que des t-shirts, il y a des stickers, des sacs, des mugs, des coques de téléphone, il y a un peu de tout à l'effigie de ma chaîne. Donc allez-y, voilà. Allez-y, allez-y, ça me fait super plaisir. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire des trucs, des petits t-shirts si la vidéo s'arrête ou je sais pas, un petit délire comme ça. Donc, proposez-moi vos idées de jeux de mots que je pourrais faire sur des t-shirts ou sur des tasses, par exemple. Si j'ai fini de boire le contenu de cette tasse, la vidéo s'arrête. Enfin, je sais pas, un truc comme ça que je pourrais mettre sur la tasse, ou je sais pas, n'importe quel, le sac, ou si mon sac est rempli, la vidéo s'arrête, avec toujours mon skin ou un truc qui s'arrête. Enfin, ça peut être sympa. Bon, du coup, aujourd'hui, je vais pas ne rien faire, et je vais surtout ne pas manger. Voilà, j'ai plein de trucs à faire, tout en ne mangeant pas, donc on va tout mettre dans le coffre à bouffe. La dernière fois, c'était si un arbre pousse, la vidéo s'arrête, et là, un des arbres que j'avais planté avait poussé, même deux des arbres, et en attendant, on avait rangé en catégorie tout ce qui était bloc et tout. Donc d'ailleurs on a pas mal de niveaux avant de partir je pense avant de partir faire nos activités, on va améliorer des outils parce que ça fait plusieurs épisodes qu'on m'a dit Oximos améliore tes outils, c'est vrai qu'ils sont efficacité 1 et tout. Alors c'est pas mal parce que du coup fléau des arts ouais bon alors persan empalement, j'ai du mal avec les enchantes comme ça. Tranchant 2, alors on peut faire un tranchant 3. Ça on s'en fout, protection ça on veut. Et vous avez vu on a quand même pas mal de canne à sucre. Et en ayant entraîné les coffres je me suis rendu compte qu'on avait pas mal de cuir également. Donc du coup on va améliorer tous les outils et nos protections aussi, parce qu'on est protect 1 de partout, c'est lamentable. Alors tac, voilà, on récupère quelques petits trucs comme ça, quelques petites voilà, parfait. Voilà, ah, j'ai pas perdu de bouffe pour l'instant. Donc juste avant la vidéo j'ai mangé évidemment. Voilà, je me suis fait un petit repas comme ça, bah voilà, j'ai déjà perdu un demi gigot, un gigot. Ok, bon bah ça va aller plutôt vite. Alors je vais récupérer ça. Ah j'ai un œuf. Voilà. Et je vais récupérer une autre canne à sucre. Ouah ça part vite, faut que j'économise, faut que j'arrête de sauter. Ok. Et là je vais casser ça, voilà. Bon ça va pas faire beaucoup de livres pour l'instant, mais c'est pas ce que je cherche. Au pire on attendra on attendra d'aller faire nos activités avant. Purée mais je pensais pas que ça allait partir. Ouah ça part trop vite, ok. Bon, tac, voilà. Et là, bim, on fait 4 livres. Bon c'est déjà pas mal. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est que là on a tranchant 2. On va faire un tranchant 3. Tranchant 3, voilà. Et protection 1, on va faire un plastron avec plus de protection. Regardez, on va faire protection protection 2 et protection 3. Voilà, là on a un plastron protection 3 donc qui protège beaucoup mieux. On a 17 levels et on a une table d'enchant. Donc du coup, ah, il nous faut du lapis, donc on va y aller. Tac, le lapis, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut échanger? Tranchant 1, protection 1, ça je prends protection 1. Efficacité, je prends. Perçant, aisance, tranchant. Je fais une sharpness 4 à force. Donc oui, sharpness. Et le dernier livre, protection. Voilà. Bon, je visais quand même pas mal de level. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des protections. Voilà, je vais rajouter une protection sur chaque. Donc là, une protection sur mes jambières. Ah, solidité en plus. Donc oui. Parfait. Je vais rajouter une protection sur mes bottes. Et je vais rajouter une efficacité sur ma hache. Voilà. Il nous reste 4 levels. Mais sauf que j'ai plus de livres.
Et j'ai un livre tranchant qui sert à rien. Bon, on a une hache en diamant efficacité 2, ça c'est très bien. Et voilà, bon, on n'a pas amélioré énormément notre stuff, mais en vrai, là, franchement, ça va, j'ai pas à me plaindre du tout. Donc, on va tout remettre ça ici, remettre ça ici. Et on a encore quelques livres un peu éclataxes, mais en vrai, ça va. Bon, je suis très content. Maintenant, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va aller charbonner, puisque, vous avez vu, on a déjà plus beaucoup de bois, même s'il nous en reste quand même pas mal. Vous avez vu, déjà, pour cette maison, elle est pas énorme, et ça nous a demandé beaucoup, beaucoup de bois. Donc, du coup, on va dormir d'abord, parce que là, c'est hardcore. Tac, ça, il va faire nuit bientôt, donc on va dormir d'abord. Je sais que je peux dormir que durant la nuit, mais il va faire nuit. Donc on va attendre qu'il fasse vite fait nuit, on va dormir et on va aller chercher encore un peu de bois. Et après on va voir, parce que là, ouais, on a déjà plus beaucoup, hein. On a vraiment déjà plus beaucoup de bouffe. Voilà, on dort. Comme ça, on est bon. On est bon. En attendant, les amis, pendant que je pionce et que je vais directement... Ouais, c'est bon, j'ai déjà plus que 3 gigos. Dès qu'on va au niveau des arbres, juste là, derrière... On va pas couper ces arbres. Ces arbres, c'est juste pour faire joli. Donc, dès qu'on va un peu s'éloigner pour couper des arbres, le temps qu'on fasse ça, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si c'est pas encore fait. Très important. Comme ça, on atteint les 100K et on a un deuxième trophée. Je veux tryhard les trophées, moi, je vous le dis. Et ouais, j'ai plus qu'un 2 gigos et demi. Deux petites cuisses et demi. On va déjà couper le bois mort. Voilà. Ouais, l'efficacité 2, ça va tellement plus vite. Satisfying. Satisfying vidéo. Hop. Voilà. Tac. On prend celui-là. Donc bon, 2 gigos. Après, les derniers, ils sont plutôt durs à perdre. Donc en vrai, ça va. Tac. J'ai pas à me plaindre. Ou à moins que je bouffe de la bouffe de zombie. Et là, c'est la mort assurée. Parce que la bouffe de zombie, vous savez très bien qu'elle vous donne encore plus faim quand vous la mangez. Oh, 1 gigot. Mais ça part trop vite. Mais wesh. Ça part trop vite. Oh, il y a des petits poulets. Alors, ça par contre... Chut. Voilà. Ça, c'est pour Bibi. Tous les poulets qui sont en dehors de chez moi, ils sont cuits, les gars. Ils sont cuits de chez cuits. Oh non, c'est un grand arbre. C'est chiant, les grands arbres. Tac, voilà. Genre là, je peux pas atteindre. Ah, je peux pas atteindre. Dommage. Ok. J'ai plus que un. Oh là, c'est la merde. Je pensais pas que ça allait partir si vite, à vrai dire. Voilà. Bon, en vrai, on a déjà quand même un peu de bois. On va pas non plus tryhard le bois à tout cet épisode. Voilà, on va rentrer à la maison. Et en fait, on va faire des finitions sur la maison. Parce que vous vous rappelez que quand j'ai fini ma maison, il y a quelques finitions que j'ai pas finies. Et je vais vous expliquer, bah justement, regardez. Par exemple, là, il faut que je recoupe ça de bois. Et également, il faut que là, regardez, au niveau de cette annexe-là, les finitions sont pas top. Donc, on va aller voir. On va voir ce qu'on peut faire. Donc déjà, ça, faut recouvrir, c'est sûr et certain. Et ça, vous avez vu, les finitions sont pas top, top, top. Au pire, je peux refaire une salle comme ça. Eh, mais oui, en vrai, je peux refaire une salle comme ça. Bon, du coup, on va faire ça, en attendant. On va recouvrir. Ouais, mais du coup, c'est soit ça, soit je recouvre, parce qu'après, ça va faire bizarre. On peut recouvrir provisoirement. Vous savez quoi, on va recouvrir provisoirement. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. On va recouvrir provisoirement comme ça. Oh, j'ai plus qu'un demi-truc, ok. Donc on recouvre provisoirement et au pire, si on a envie de re-agrandir la maison pour faire une annexe, et bah on le fera, mais pas tout de suite. Voilà. Tac. Là, je scrute parce que je vous dis, à partir du moment, là j'ai un demi-gigot, si à partir du moment j'en ai zéro, la vidéo s'arrête d'un coup. Donc voilà, au pire, si elle s'arrête maintenant, bah abonnez-vous, likez. Je scrute. Ok. Là, c'est bon. Bon, c'est vraiment moche, hein. Mais au moins, on a couvert le massacre.